s'est calmé super vite. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh non, la caméra est mal placée. Regarde la régie. Ouais. Regarde la régie, comment elle est efficace de ouf. Bam, bam. Et oh là voilà. Merci la régie. Ce soir, on reçoit Yosia Film et Julien Dage, qui sont chacun vidéaste et photographe. Avec moi ce soir, vous avez Noah, que vous connaissez maintenant. Salut Noah. Ça va Noah? Et en régie, on a Anthony en régie qui est là ce soir pour nous assister. Hop là. Aujourd'hui, vidéaste et photographe, on reçoit, on va parler un peu de ces milieux-là. On est prêt. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, très rapidement, qui vous êtes, ce que vous faites? Flo vidéaste. Julien, photographe. 34 ans. J'ai toujours bien aimé la photo. Ouais. J'en fais depuis un moment, depuis que je suis gamin, j'ai toujours une petite photo par-ci, une petite photo par-là. En fait, je suis un ancien danseur. Je me suis cassé le genou. Et j'ai voulu me reconvertir. Quelle meilleure idée de faire vidéaste avec un dos en vrac. Ça, je savais pas. Ce que vous avez pas précisé, c'est que dans vos domaines respectifs, vous êtes spécialisé mariage. Aujourd'hui, ouais. Ça représente, en termes de pourcentage sur vos prestats, ça représente 80-90% de vos prestats mariage. Alors, carrément, je vais te dire, ouais. On va dire qu'on a démarré en 2018. On s'est rencontrés sur un mariage tous les deux. Et moi, j'étais même pas sûr de vouloir faire du mariage, enfin, ma vie dans le mariage. Moi, j'étais sûr, j'avais qu'un an. C'est Sebi qui vient de voir, me dit hey, gros, parce que Sebi parle comme ça. Hey, gros, j'ai un pote à moi, t'as vu des photos. Puis genre, on dirait que c'est un Jamaïcain. Non, il m'a dit Flo, je sais que tu fais de la vidéo. J'ai un pote à moi qui est photographe et il va sur un mariage. Il cherche un vidéaste et ça t'intéresse. J'y vais carrément. Et moi, pour la petite histoire, c'était mon premier mariage. Tu peux répéter la question? Vas-y, réponds et je trouverai la question. Réponds à ça. Si t'es pas passionné, je pense que tu peux pas en vivre. Ok. C'est ça la réponse? Non, le secret, il est si tu te lances dans là-dedans, faire des courts-métrages, faire des concours de courts-métrages, gagner des concours de courts-métrages, être reconnu. Comme celui-là. Trophée-là. C'est un concours de courts-métrages. Oui, si tu veux te lancer. On peut t'aider. Parce que nous, on est allé au Festival de Cannes, on a monté les marches. C'est quoi le monsieur qui parle pas dans votre équipe? Et il est muet? Lui? Lui, c'est le geek. C'est le geek de l'équipe. C'est vrai, Noah, raconte-nous un peu ton parcours. Ah ouais, c'est. Oh les gars! Bon, j'explique les règles, tant pis si tu suis pas. Donc, un dilemme si on tombe sur double ou triple. Si vous tombez sur une case, on va dire normale, standard, vous avez juste une question. Si vous répondez mal, vous perdez 5 points. Ok. D'accord. Très bien. Si tu tombes à côté, tu rajoutes 10. Okay. Flo est arrivé un peu plus tôt, avant le début du live, et du moment où il est arrivé et au moment où le live a commencé, il n'a fait que jouer aux fléchettes. Depuis le début. Arrondi. Oh Joule. Ton dilemme. Celui-là est spécialisé pour toi en plus. Tu peux jouer à code toute ta vie, sauf que tu peux jouer uniquement avec la pire arme du jeu. Tous les codes qui sortent, tu peux jouer qu'avec la pire arme possible. C'est mort. Ou alors, tu joues manette toute ta vie. Fini clavier souris. Ciao. Non, je... Ah, c'est toi qui décides dans quel camp tu veux être. Non, c'est un sabre rouge, je lâche pas le clavier souris, moi. Ok. Putain, moi j'attends des photos pour des photos floues, hein. On va préférer des photos fortes. C'est bon, on va prendre notre... Il y a des questions, je voulais pas tomber dessus. Quels sont tes doutes dans la vie aujourd'hui? C'est bon, ça. Tiens, bonsoir. Et toi, c'est mes doutes aujourd'hui dans la vie, bah, je dirais que on est sur la thématique, hein, c'est de sauter dans le grand bain de transformer ma passion en métier. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est mes plus gros doutes. Toi, c'est ce que tu fais. C'est ça mes plus gros doutes aujourd'hui. Mais ouais, je suis entouré de personnes qui ont sauté le pas avant moi, donc mes doutes ne sont que superficiels, faut juste passer outre. Exactement. Et foncer. Voilà. Les gars. Moi, c'est pas mal. Oh, 18 fois 3. Oh, on valide. J'ai adoré. On le valide ou quoi? Le chat. C'est quoi, c'est le chat? C'est le chat qui valide. Les gars, non, soit on m'autorise de recommencer, pas de perdre mes points. Voilà, Bob a validé. Bob, écoute-moi, tu m'enverras ton rib, je te ferai un petit quelque chose. Quel est mon prochain objectif de vie? J'ai envie de partir au Japon, donc
Donc on va partir au Japon, c'est non négociable. Alors il n'y a pas le 19, il y a le 19 les gars. Voilà. Oh, je suis fané. Le chat, c'est en compte ou pas? Non, c'est pas. Moi 5. 5? Ah ouais, ouais, non, t'as pas réfléchi. Voilà. Allez, on fait. On prend toi. Ouais. Joli. Bravo Noah. Qu'est-ce qu'il gagne le gagnant? Des applaudissements. Pourquoi je pense que je dédie cette victoire à Milo? Parce que c'est la première fois que je gagne un jeu qui n'est pas intellectuel ici. Bon, en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus et d'avoir mis des chocolats partout. Vous avez kiffé? On a kiffé. Ouais, c'est cool, ouais. Merci à la régie, merci à Anto. Merci Anto. Pour moi, t'as gagné. Je n'ai pas applaudi pour rien depuis le début. C'est une raison. C'est vrai. La raison, c'était que tu gagnerais ce jeu de fléchette. Très chaud, quand même. C'est dingue. Et bravo Didi, parce que tu nous as fait une très belle émission. Bien organisé. Et un grand merci à Bob, ma mère. Merci Bobby. On n'a pas d'outro. Du coup, merci d'avoir regardé. Twitch nous a censuré le son, du coup on pouvait rien faire.